Bon allez nous voilà. Désolé, il y a une petite pénurie de commentateurs ces derniers temps. Entre Foster qui fait son bracket et moi-même qui est en train de faire un amateur bracket absolument incroyable. Eh bien on a oublié l'intérêt principal de cet event, à savoir le grand retour du RACH, l'expatrié lyonnais, évidemment. Pendant que Lyon contre PDC, Pas-de-Calais évidemment, et le Pas-de-Calais qui pour l'instant est en train de se faire serrer volontiers par ce DJAGOF qui est en train de travailler. Alors on est quand même sur Yoshi Story quand même. Un stage pour le moins assez offensif, hein, dirais-je, parce que pour l'instant, là, avec directement la direct qui a permis de mettre un forward air, pas piqué des hannetons, le forward air, le genou. Directement dans le menton, et ça tente quand même de trouver des ouvertures de neutral au forward air.
Voilà, voilà, ce side B signé RACH. Évidemment, attention parce que là, il n'y a plus de double saut. Et ouais, il n'y a plus de double saut. Et là, ça va être compliqué. Randall est là. Et ouais, mais Randall est là. Mais par contre, Randall a beau être ici. Le double saut avait été consommé. Donc, upper ni malgré Randall, DJAGOF qui s'impose face à ce RACH. Excusez-nous, on avait eu un petit déficit de commentateur encore une fois. Encore une fois. Alors, c'est de... Oui. Wesh, le mec il joue cloud, il a tout en même temps. C'est les joueurs de c'est les joueurs de cloud ça. Ça faut les excuser. Allez, on va pouvoir avoir un espèce de duel fratricide qui est quelque part, puisqu'on va avoir du eh bien Foster contre Maillet. El Maillet, donc. Ce qui, eh bien, nous... Alors, je sais pas tellement ce que va nous prendre Maillet-Din pour l'occasion. Est-ce qu'il va nous prendre un Marth ou Samu, je pense qu'il va rester sur son Marth. Ouais, il va rester sur son Marth, évidemment.